Et le troisième jour, il se fit des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples. Le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'est-ce que cela pour moi et pour vous? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 urnes de pierre destinées aux ablutions des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces urnes. » Et ils les remplirent jusqu'au haut. Et il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du festin. » Et ils emportèrent. Dès que le maître du festin eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il interpella l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et après qu'on a bu abondamment, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon jusqu'à ce moment. » Tel fut, à Cana de Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.